Nous vous saluons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous nous suivez, nous vous disons vraiment merci. Merci encore à nos abonnés et à toi aussi qui vas s'abonner maintenant. Sans plus tarder, le thème de ce soir est intitulé « Regardez ce que Dieu va faire ». La plupart des personnes aujourd'hui n'arrivent pas à savoir ce que Dieu va faire dans leur vie parce que la confiance envers Dieu n'y a plus maintenant. Ils n'arrivent même pas à donner tout ce qu'ils ont, penser d'une manière que Dieu peut aussi t'aider. Merci et à la suite. La vie peut parfois aller si vite que nous pouvons facilement passer à côté de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire de ce que Dieu veut vraiment nous révéler. Mon ami, Dieu veut nous révéler tellement de choses concernant votre cœur, votre vie ou votre futur. Écoutez votre Père Céleste vous dire: je vais ouvrir tes yeux pour te montrer ce que je fais pour toi et en toi. Mon esprit te révèle et te montre les réalités spirituelles. Attends-toi à voir ce que je vais te montrer. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur les remparts. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je vais répondre au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes: écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Habacuc, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 2. Dans son livre intitulé « À l'école de Dieu », David Terry écrit: Habacuc se tenait à son poste de garde pour recevoir des visions. Quand vous vous tenez régulièrement devant le Seigneur, soyez attentif à ce qu'il va vous montrer. Habacuc avait des questions pour Dieu et il s'attendait à ce qui celui-ci lui répond par des visions. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est votre poste envers Dieu? Aujourd'hui, pourquoi ne pas ouvrir votre cœur à votre Père Céleste qui vous aime tant en lui disant: Seigneur, je te consacre mes yeux, je te prie de les purifier et je décide par la foi de m'attendre à recevoir des visions de toi. J'ai choisi de me placer devant toi et de guetter pour voir ce que tu me montreras. Guide-moi et révèle-toi à moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Shadrach pour les jeunes leaders. Merci et à la prochaine.